بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوانه. أما بعد، بونجور. Aujourd'hui, nous allons voir certains versets du chapitre les abeilles, النحل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Dieu nous pose cette question-là. Est-ce que on peut traiter de la même façon? Est-ce que ces deux parties qui vont être mentionnées sont égales? Not equal. En anglais, on dit not equal. أفمن يخلق. Est-ce que celui qui crée est pareil que les créatures? Les créatures qui ne peuvent rien créer. Parce que une créature, elle ne peut pas faire la même chose que celui qui a créé. Donc, vous, les polythéistes, qui suivez les vous prenez des associés pour Dieu, avec Dieu. Donc, c'est trop manifeste, c'est faux. Le créateur, il est sublime, il est supérieur, il a l'autorité complète, etc. Il est le législateur unique. Vous n'avez pas une jugeote, vous n'avez pas une mémoire, une faculté de rebrousser chemin ou voir cette façon de raisonner. C'est une façon pathologique. Donc on ne peut pas confondre les deux choses. Créateur, c'est le créateur, les créatures sont des créatures, ni plus ni moins. Alors que les politistes, ils confondent le tout, c'est-à-dire Dieu, il a les associés. Les associés, est-ce que ce ne sont pas des créatures? Et les créatures, est-ce qu'elles peuvent créer? Donc, c'est bien clair et net. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est-à-dire, si vous me mettez à énumérer les faveurs divines, vous ne pouvez pas être exhaustif. Les mentionner, c'est tout. Pas les expliquer et, comment dirais-je, dire à Dieu merci. Remercier Dieu, ça, c'est plus fort. Et c'est plus lourd. Donc, impossible de jugé du nombre de ces faveurs-là, et Allah la Ghafur Rahim, et Dieu, il est toujours celui qui nous pardonne, le pardonneur numéro un, Rahim, il est miséricordieux. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Oh, vous les créatures, sachez que Dieu, il est au courant de ce que vous cachez, de ce que vous mettez en avant, explicite, manifeste, etc. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Voilà. C'est-à-dire, ces divinités, ces idoles-là que vous invoquez, c'est les païens, les pagans, les mécréants, disent qu'ils ont des idoles qu'ils adorent. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ces idoles-là ne peuvent rien créer, bien au contraire, elles sont créées. Créé par l'imagination pathologique. Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyan yub'athun. C'est-à-dire, ou bien, ces idoles-là sont des choses inanimées, elles n'ont pas une vie, ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyan yub'athun. Et puis, ces idoles-là sont inconscientes, surtout en ce qui concerne le jour de la résurrection. Ou bien, ce verset-là, il est en rapport avec ces mécréants-là. Amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'athun. Ilahukum. Voilà comment Dieu va mettre au clair la notion de l'unicité du monothéisme et du polythéisme. Ilahukum ilahun wahid. Donc, comme vous tous, toutes les créatures, ilahukum ilahun wahid, un Dieu unique. Falladina la yu'minu bil-akhirati. Ceux qui ne croient pas
au jour de la résurrection et du rassemblement du jugement, ces gens-là ne peuvent pas accepter cette vérité-là, c'est-à-dire Kouloubou, c'est-à-dire ils ont des cœurs et des raisons qui ne fonctionnent pas normalement parce qu'ils nient et rejettent tout ce qui est en rapport avec l'unicité de Dieu et avec cette notion d'un jour, un grand jour. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة c'est-à-dire renie le fait qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un jour où vraiment tout le monde va être rassemblé devant Dieu et va être lui. Munkiratun, c'est-à-dire ils ont un fort intérieur qui inverse tout. Bon, ce sont des gens qui sont, on peut dire, des malades dans la zone de la psychose. Bien que cette zone-là, il y a des responsables. Il y a des psychotiques irresponsables, mais ceux-là, ils sont responsables. Parce qu'il y a eu des messagers de Dieu que la paix de Dieu soit sur eux, qui ont fait tout leur possible pour expliquer ce que ça veut dire Dieu, ce que ça veut dire la révélation, ce que ça veut dire la résurrection, etc. Ça dit, ils sont des gens hautains. Comment dire, des corrompus, c'est-à-dire ils sont mégalomanes. La jarama an Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Nul doute que Dieu, il est au courant de tout ce qu'il cache ou ce qu'il montre. La jarama an Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Et Dieu n'aime pas ces gens arrogants. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين et si par malchance si on peut dire ça on leur dit Dieu qu'est-ce que vous a dit voilà qu'est-ce que leur réponse elle n'est pas du tout une réponse à sa place vraiment c'est très déplacé وإذا قيل donc c'est une manque de pertinence وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ c'est-à-dire tales anciennes, c'est-à-dire des balivernes, des histoires d'anciens, des gens antiques, des gens primitifs, etc. أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ vous voyez comment une réponse de cette façon-là, elle peut leur causer beaucoup de mal ici-bas et de l'au-delà. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit répondre. Parce qu'il y a eu des révélations, il y a eu des missions. Et ces prophètes-là et ces messagers-là, que la paix de Dieu soit sur eux tous, ils ont fait, ils ont vécu, ils ont rempli leur fonction, et puis ils disent à Satir al-Awalim, ce livre-là, il a été donné. Et Dieu l'a fait descendre sur ces pauvres-là. Que la paix de Dieu soit sur eux. Et vous dites après, tales of ancients. C'est incroyable. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Et l'aboutissement de toutes ces attitudes-là, de ces comportements-là, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils vont le payer chèrement, d'une façon intégrale. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Et puis ils vont aussi être accablés par les fautes commises par les gens qui les ont suivis. C'est-à-dire ils donnent des faux conseils. Par ignorance. Aouzar l'a dit, nous voulons dire, il y a un mauvais, mauvaise acquisition. Acquisition qui alourdit leur responsabilité. Quand de Makar l'a dit, nous avons et ces conspirations-là, de toutes sortes, et ces complots-là, et ces mensonges-là, et tout ce qui est
mauvais comme information et comme communication. Kadma Kaladin, c'est-à-dire les gens qui les ont dévancés, ont fait la même faute. Et Dieu leur a vraiment jeté son courroux, et ça a été très destructeur, parce que Dieu, par son ordre, il demande au socle de leur demeure, et de leur cathédrale, et de leur zone de malfaisance, Dieu jette son courroux sur ces fondements-là, et tout s'écroule, et le toit. Il s'abat sur eux. Et les tourments et les douleurs et les souffrances sont venus comme ça, inopinément, avec brusquerie, sans été, comment dirais-je, non attendus. Les chalons, c'est-à-dire par les moyens et par le côté où ils ne croient pas qu'il y a quelque chose de dangereux qui va s'abattre sur eux. Au moyen de la guerre, et puis il y a une autre, comment dire, un autre épisode, c'est le jour de la résurrection. Yurzihim, c'est-à-dire il va les avilir, il va les disgracier, etc. Au moyen de la guerre, et Dieu va leur poser cette question-là. Où sont ces associés-là? C'est-à-dire à propos desquels vous étiez en conflit avec la révélation. Et en ce moment-là, les gens du savoir disent que l'ignominie, la disgrâce et l'indignité. Et tous les maux, c'est-à-dire ces choses-là sont le lot des mécréants, des impies. C'est-à-dire ces gens-là, c'est-à-dire Azraïl, c'est un archange qui a la fonction de prendre les âmes, Aladdin, des âmes des humains et des djinns. Celui-là, il reste le dernier des créatures et c'est Dieu lui-même qui va lui tirer son âme. C'est-à-dire ces gens qui ont s'auto-flagellé, s'auto-maltraité, etc. Ils ont été incorrects et injustes envers eux-mêmes. Et en ce moment-là, de détresse, et ils ont dit oui, nous croyons maintenant, mais c'est fini, c'est tard. Ça ne rime à rien, parce que on ne cherche pas midi à 14 h, c'est fini. Et puis, toujours le mensonge, c'est leur arme, elle est toujours inefficace. Bala, inna Allah alimu bima kunnum ta'amaloun, et Dieu le corrige cette expression-là et cette mauvaise information. Ma kunna na'malu min sou, nous n'étions pas des injustes, des malfaiteurs. Bala, c'est-à-dire l'injustice en croyant qu'il y a une multiplicité de divinités, ou bien en refusant et en rejetant les révélations. Ma kunna na'malu min sou. Vous voyez comment il sous-estime tout ce qui est en relation avec Dieu. Mais si, s'il vous plaît, Dieu il est omniscient, il connaît tout, il est au courant de tout. Toutes vos actions sont bien présentes devant Dieu. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Et vous allez prendre comme demeure la géhenne, Hellfire en anglais, Khalidi Nafia, et pour toujours, éternellement, et quelle mauvaise destination pour les gens qui sont orgueilleux d'une façon illicite, d'une façon injuste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi.